Donc on se retrouve sur Camel Try. C'est un jeu qui avait la salle d'arcade de réflexion qui était pas mal, mais j'ai l'impression que ça va être fort là le son. Je vais juste baisser un petit peu, voilà. 4 décibels, ça devrait le faire. Donc c'est un jeu de réflexion où il faut tourner la manette. C'est un peu le bonus de Sonic hein, d'ailleurs, hein, le principe du jeu pour ceux qui connaissent. Le bonus là de Sonic où il faut récupérer les diamants, c'est le même principe sauf que c'est ça tout le jeu. Et le jeu s'appelle Camel Try, donc je vois pas le rapport, mais du coup j'ai mis des camels en arrière-plan. Et que dire de plus? C'est un jeu de Taito de 89. Il est aussi sorti sur Mega Drive. Alors, moi je suis un. Bon, on va s'entraîner d'abord, allez. On va faire le Easy Mode. Direct l'expert. Spécial. Beginner. Ouais, beginner. Beginner, allez. Oh là, ça fout vite la gerbe par contre. Hein. Oh. Alors, je sais plus, le bouton il sert à quelque chose, mais je sais plus. De toute façon, ils vont me dire au fur et à mesure qu'est-ce qu'il faut quoi faire. Ah non, ou alors c'était dans le mode tuto. Fallait peut-être que je fasse le tuto. Completo. Je peux laisser la fourmi, non? La fourmi, la souris. C'est bon. Donc le but c'est d'atteindre la sortie le plus vite possible. Hein, parce que le temps s'écoule. Et. Ah, et. En fait, il y a un bonus de temps entre chaque stage. Mais il est en contrôle continu, quoi. Pour être simple. Alors, j'essaie d'être concentré, mais. J'ai un peu picolé, ça fout un peu la gerbe. Allez. Allez. Allez, Uri. Uri-hup. Ah, c'est mal barré. Tout que je sais pas où faut aller là. Ah, j'y suis. J'y suis. Ah, allez, on va gagner quelques secondes. Bon, bah, c'est super. J'ai gagné 4 secondes de plus. Magnifique. Bon, ça me sauvera pas, à mon avis, hein. La musique, elle est vénère. J'espère qu'on entend bien la musique dans le chat, hein, parce que c'est quand même important. Hurry up, hurry up. Et bouge-toi le cul. Voilà. Donc oui, j'ai vu la requête de ce jeu dans ma page YouTube. Du coup, il y a des gens qui étaient intéressés pour voir ce jeu. Donc, pourquoi pas. Même si, voilà, je m'attendais pas à ce que ce jeu soit populaire. Honnêtement. Oh là, oh là. Vas-y, mais... Alors, je crois qu'en mettant de la thune, ça me rajoute du temps, hein, directement. Ah voilà, je peux gratter 5 secondes, mais j'ai passé plus de temps à essayer de les avoir que les gagner. Ah, merde! Ouais. C'est bon, c'est bon. Allez. Le plus 10. Ah, quand même, 11 secondes, ça va, c'est correct. Voilà, ça devient Célesto Cosmique. Bah. Voilà, alors l'intérêt du jeu à l'époque c'était qu'il y avait une espèce de. Allez, vas-y, voilà. Une espèce de manette.
Je sais pas comment on appelle ça, ressort. Enfin, c'est un truc à cran, quoi. Ah, le final. Le final. Parce que là, avec une manette standard, ça perd un peu de son. De son sens. Hein. Même si c'est sympa. D'ailleurs, je pense que. Je me demande comment c'était sur Mega Drive, en fait. Comment était le contrôle? Parce que là, j'ai paramétré que voilà, ça aille un coup à gauche, un coup à droite sur l'analogique en fait. Mais je sais pas. Completo. Ah, j'ai fini le. Waouh, j'ai gagné. Petit screenshot de la fin. Donc la boule avec son petit nœud, elle a. Voilà. Ah oui, d'accord. Je suis un joueur artistique, me dit le jeu. Bah, ou je fais une autre course, et ça va être un peu long, ou je montre un autre jeu, effectivement. Ouais, je vais peut-être montrer un autre jeu, parce qu'on en a vite fait le tour hein, de celui-là, mais il est sympa, honnêtement. Voilà, c'est un jeu que j'aimais bien. Il prend pas la tête. C'est de la réflexion. Pas trop en fait, c'est plus de l'action en fait, c'est plus du réflexe hein, que de la réflexion qu'autre chose. C'est faut tourner au bon moment. C'est plus du réflexe. Voilà, c'est un jeu de réflexe. Mais c'est pas mal, voilà, je conseille. Je conseille. Allez, sur ce, je vous laisse. Il y a du gratuit mieux sur portable. Bah oui, d'ailleurs, le jeu est ressorti sur iPhone. Hein, sûrement en free-to-play, hein, d'ailleurs. Je suppose. Allez, je vous laisse avec ces beaux visages de chameau. Et abonnez-vous et un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Merci.